Alors, mesdames et messieurs, on va faire une nouvelle game de LoL, mais avant, je vais vous montrer un petit peu comment changer vos DNS et peut-être améliorer votre ping dans certains jeux ou dans certaines navigations. Alors, pour changer vos DNS, c'est très simple. Vous allez dans le panneau de configuration. Alors, je vais vous montrer, je vais vous faire tout le petit cheminement. Donc, vous allez dans le panneau de configuration qui est ici, blablabla. Attendez, je vous montre. Voilà. Je vous montre. Donc, le panneau de configuration qui est là, ok. Vous allez dans le panneau de configuration et là, bon, ça c'est un panneau de configuration bien merdique, bien dégueulasse, c'est par catégorie, on s'en fout. Donc, déjà, vous allez dans catégorie, vous faites petites icônes ou grandes icônes, peu importe, on s'en fout. Ah, attendez, faut que je choisisse mon champion. Je vous dis pas ce que j'ai choisi, comme ça, vous avez la surprise. Voilà. Ensuite, vous allez dans le centre de réseau et partage. De toute façon, j'enregistre ça en VOD, donc vous pourrez vous en resservir plus tard. Ensuite, donc là, vous arrivez dans le truc des réseaux, vous allez dans modifier les paramètres de la carte. Et là, vous arrivez. Oh merde! Ça ouvre pas la nouvelle fenêtre? Oh, c'est chiant. Faut que je refasse une screen région. Vous arrivez là-dedans, donc avec tous vos paramètres. Donc là, vous avez toutes vos cartes réseau. Donc réseau Bluetooth, Ethernet, Ethernet 2 si vous avez deux cartes Ethernet. Et la carte Wi-Fi. Donc vous prenez celle qui est connectée et qui vous donne Internet en fait. Donc ici, moi, c'est Internet 2. Toutes les autres d'ailleurs ne servent à rien. Désactivons-les. Merde! Et là, Ethernet 2, faut être propriété. Oh putain, faut refaire un. Pff, chiant. Supportable ce jeu vidéo là. Vous allez là-dedans, donc propriété, ça ouvre ça. Là, vous allez descendre un petit peu, vous allez double-cliquer sur IPv4. En général, c'est ce qu'utilise votre technologie réseau. Vous double-cliquez dessus. Oh putain, ça ouvre encore une fenêtre. Et là, vous arrivez là-dedans. Là, vous arrivez là-dedans et ici, en bas, au lieu d'avoir obtenir les adresses de serveurs DNS automatiquement, vous faites utiliser l'adresse de DNS suivante. Et là, vous copiez, vous tapez OpenDNS dans Google ou n'importe quoi, et vous trouvez les IP d'OpenDNS, donc le DNS primaire et le DNS secondaire. Là, vous faites valider les paramètres en quittant, vous faites OK, et ça changera vos DNS. D'accord? Donc, vous faites ça, utilisez l'adresse de serveurs DNS suivante. Là, pour avoir les IP, donc 208.67.222.222 ou 208.67.221.220.220, vous pouvez aller les voir. Bon, il y a des gens qui les connaissent par cœur à force. Et donc vous faites valider les paramètres en quittant, normalement ça ne vous déconnectera même pas d'internet et vous pourrez eh bien, voir s'il y a une différence ou pas. Donc n'hésitez pas. Oh merde, j'ai fait quoi? Ah non, c'est bon. Je croyais que ça m'avait déco, mais moi j'ai pas validé les paramètres, ça m'a quand même déco. C'est marrant, ça a quand même fait le truc. Vous avez été déconnecté de la partie. Tentative de reconnexion. Oh putain, faut que je change mes runes. J'avais dit AD carry et... J'avais pris quoi? La vie ou la mort. C'est vrai, j'avais pris les trucs de vie et les trucs d'AD carry. C'était pas mal. Cela dit, je pourrais prendre les trucs de vie en vrai. En vrai, parce que vie, j'ai quoi dessus? J'ai la mort ou la vie. Résistance magique, dégâts physiques, armure. Bah je vais prendre ça aussi. Je vais prendre ça. Alors on joue les seeds enfin! Merci Zera. C'est OpenDNS le site. Non, vous tapez DNS de OpenDNS dans votre truc et vous pourrez trouver. Hop! Voilà. Damn, Lee Sin. Ça y est, j'ai Lee Sin. On va pouvoir enfin profiter de ça. Les DNS servent à la résolution de noms par rapport aux IP des sites. Oh putain, Varus Cupidon. Incroyable. J'avais pas vu ça depuis... Bah, j'avais jamais vu, en fait. J'avais jamais vu. J'ai rien compris, ça a servi à quoi son truc? Eh bien, parfois, vous avez des DNS de base fournis avec votre fournisseur d'accès Internet qui sont pas top. Donc peut-être que ça améliorera votre ping dans certains jeux. Après, attention. Attention, je dis pas que ça changera tout, hein, bien sûr. Faut pas déconner. Dernier code de Hearthstone, à vos bloc-notes, on y va. Giveaway de Hearthstone en direct, comme ça, voilà, on est fou. Attention, vous voulez un paquet de cartes? Je vous donne un paquet de cartes. C'est parti pour le code. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Merci à NoStress69 qui a complètement cassé mon délire du code de paquet. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un abonné. Incroyable, eh bien, bienvenue à toi. Je te souhaite la bienvenue, merci de t'abonner à la Zerator Télévision. J'espère que tu vas profiter de ton badge et de tes émoticônes comme un fou. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre l'émoticône porc, ça n'a pas fonctionné. Twitch me l'a pas refusé, mais a refusé mes images alors qu'elles étaient dans le bon format, en PNG, etc. Enfin bon, bref, je réessayerai ce soir, l'émote ZRT porc arrivera peut-être un de ces jours. Donc le paquet Hearthstone, attention, on y va. 3-9-0-4-5-1-2-2-1-0-0-0-8-0-2-9-9-2-3-9-2-3-8-5-2. Voilà, ça c'est le paquet. Alors attention, il y a un chiffre de moins que dans les autres paquets. Par rapport à tout à l'heure et voilà, donc c'est bien. Donc oui, ça c'est formidable. Nanana. Go.
Oh putain, les cils, trop chaud. Allez, on va aller au rouge direct. On va aller au rouge direct. C'est où qu'on le marque? Comment ça, c'est où qu'on le marque? Tu vas dans Battle.net, tu vas dans activer un code, machin, et t'y vas. Ok, j'ai rien compris, ok, impossible. Ah non, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui le chope. À chaque fois, il y a quelqu'un qui le chope. Vous voulez que je répète? Oh, vous êtes lent. Je sais pas si quelqu'un l'a eu, je répète au cas où. 3-9-0-4-5-1-2... Excusez-moi. 3-9-0-4-5-1-2-2-1-0-0-0-8-0-2-9-9-2-3-9-2-3-8-5-2, voilà. Je me rachèterai. Ça, c'est pour le code de... un paquet de Hearthstone. Un paquet de Hearthstone. Un paquet de pierres de foyer, pour ceux qui veulent. Voilà. Putain, mais il est déjà tard. Oh, il est 21-45. Merde. Mise à jour Hearthstone va te faire. Non, mais vous pouvez le faire sur le net. Ah. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un... Bonjour à toi, Fawn Babybel. J'espère que tout va bien. Hop. Fawn Babybel qui est là. Il est content. Il nous fait plaisir. On est à 1 minute 13. Hop là. Oh putain. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Oh, je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Dans le sous le charme, dans le meilleur lendemain. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion, les bas-fonds du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux, que l'aveugle s'ouvre. Il contemple Mars de l'obscur en côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur. Viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe? C'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister? Sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur qui arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, la force est noire. Merde! Dans le château où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Bien, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Bien, notre côté, oh, je suis le fils de la fin, le sale rejeton de Dark Vador. Mac, j'adore adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire salive empoisonné dans camère, un pilote V50 ans que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et j'ai tripe sans remords sous les chevaliers Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce, la nature que tu optes sur le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de pas en pas, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude de Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau. Je ne donne pas cher le tapot, le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les emplois. Le fils de Dieu tremble minute avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erroné, brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Luc, aide-moi, idiote, il est trop tard. Tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Yeah. J'ai du mal à compter combien il y a d'auto-attaques entre mes spells à cause de la chanson. Horreur, rapport, les couleurs du côté obscur. Alors je suis sur le côté parce qu'en fait je fais ça avec ma pédale loop. Et j'essaye Voilà.
Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite. Car tu t'as la flamme sur les hanches. Le fils de Dieu tremble une minute avec ses armes. Renverse les créneaux qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête au péronné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Bon allez, ça suffit. Ça suffit. Et là, imaginez, ça me strike sur YouTube. Oh, si ça me strike sur YouTube, sérieux merde. Alors vous avez reconnu évidemment l'empire du côté obscur de I Am Télévision. Non, pas télévision, mais vous avez évidemment tous reconnu. Hop. Go. Attention les gars, j'arrive. Allez, ciao. Elle a flashé. Elle a flash. This was flash. Bon bah flash, bravo. Je vais mettre une petite ward ici. Non, je vais la garder pour escape. Faut que je garde une ward pour escape, on sait jamais. Ah, for escape. Ah. Je vais tiens. Mais putain, saloperie de... Saloperie de crapaud. C'est lui. Il est dans la river. Saloperie de crapaud. Oui, c'est saloperie de crapaud. J'attends qu'elle envoie sa bouboule et ensuite je go. Envoie ta bouboule. Wow. Ouais, non. Ouais, non, je suis pas très chaud en fait pour go. Donc tant pis. Allez. N'empêche, la loupe est vraiment cool là, je trouve. Vous trouvez pas? Impressionnant, c'est vrai. Ah, merci, hein, merci. On a fait ça en live musical tout à l'heure, on a fait ça avec les viewers. C'était fou. Alors, Lee Sin, 44 secondes avant le rouge. Lee Sin, es-tu prêt? I am ready. Bon. Mais non, mais là je peux pas, faut que je passe niveau 6. Faut que je passe niveau 6, j'y vais. Pas encore la maladie du Lee Sin. Non, mais t'inquiète. Il s'appelle Bjergamot, c'est marrant. Ça fait Bjergsen, sauf qu'en fait, Bergamot. Trop marrant. Trop marrant. Tiens. J'ai fait nimp là. Oh non, le groupe on a le smite, c'est cool. Le groupe on a le smite, c'est cool. Allons-y. Ça va le faire. Ah, voilà. Premier sang. Un ennemi. Ah, ce jeu est tellement drôle. Putain, j'adore ce jeu. Moi, c'est vraiment un truc de ouf quand même. Ah, mais on a tenté. C'est bien. Il faut tenter les choses. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Je pensais que le bouclier suffirait. Eh bien non, ça n'a pas suffi. Dommage. Bon, qui a perdu quelque chose finalement? Je n'avais pas de buff. Les buffs ont repop maintenant. Je voulais back. Je m'étais dit un petit dernier creep. C'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. J'ai pas perdu grand chose en vrai. Et voilà. J'ai perdu en gros une dizaine de secondes, on va dire. Voilà. En gros, j'ai perdu une dizaine de secondes. Mais c'est pas... C'était pas fou. Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je suis fort au jeu. Et ouais. Tiens. Ah, j'arrive mid. Putain, j'arrive au mid. Prépare-toi à changer trop de toi. Petit serrateur est dans la place à regarder la bonne humeur. C'est toujours un plaisir de te regarder. Merci, Balnav. Merci, Balnav. C'est rigolo comme pseudo, ça, Balnav. Ça fait un peu genre Balnav, tu vois. Non, tu vas pas. Okay. Mais quoi? Tu veux pas clean ça? Bon, vas-y. Ah! Putain, je peux pas dash. Tu veux le bleu? Ok, bah go, on y va. Ah! Hey.
C'est bon, je finis les autres, t'inquiète. Enpei. Oh putain. Oh putain, bot. Oh putain, bot. Bot. Oh putain, bot. 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 Oh putain, bot. Bot. Oh putain, bot. Putain, j'arrive. Ah. Oh yeah. Trop bien, casse-toi. Alors, que vas-tu faire? Et maintenant, que vas-tu faire? Et maintenant, oui, ton père. Oh merde. Ah. Bon, je me casse. Là, il va être en mode. Sinon, Licine, bâtard. Faker. Ah. Eh ben non, je rigolais. Tiens. Tiens. Ce crapaud me braine tellement. Vas-y, dash. Oh alors. Non. Putain. C'est vrai que j'oublie que le A-click ne marche pas sur lui. Un allié a été tué. Putain. Je vais le tuer. Putain, je te jure, je le tue. Je te jure, je le tue. Je te jure, je le tue. Il va être là, il va back, il va être... Regardez, il va être là. Il va back ici, là. Salaud, tricheur. Il est pas là. Donc déjà, ça cheat en face. Ça m'énerve, ça. Je déteste quand les mecs cheat en face. Vous le savez. Echo. Et tiens. Voilà. Deux. Ah non, je rigolais. Quoi? Il se passe quoi? What? Oh, super. Aucun fun. Aucun fun au bout de la nuit. Les fantômes de minuit. Hein? Les démons de minuit. Oh non, mais te fais pas choc-waf comme ça, mais il vient d'arriver. Oh non, mais merde. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Je suis mort. Putain, ça m'énerve de mourir comme ça, là. Pff, ça me saoule. Les démons de minuit. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. En même temps, tu lui as push sa lane. Non, mais peu importe, ça ne justifie pas de foncer en se suicidant. Rien ne justifie un suicide à League of Legends, rien du tout, d'accord. Attention, bot. Ils vont aller, oh, ils vont aller au Drake. Oh putain, merde. En fait, j'aimerais bien acheter ça avant de partir. Hein. Go. Ils ont le Drake ou pas? Là, il faut regarder si ça proc le Drake chez eux. Et voilà, ils ont le Drake, super. Super, ils ont mis une année à le faire, on aurait pu, enfin ils auraient pu, je crois. Non, ils auraient rien pu faire en fait. Ouais, je fais nimp avec mes spells là. Allez, allez. Ta ta da da. Ta ta da da. Oh putain, pas mal. C'est au top hein, que ça a tué, c'est juste j'ai dit pas mal. Et boum. Oh waouh. Bip. Oh la sa... J'avais pas de ward quoi, je m'apprêtais à faire une insect faker shit. Ça n'a pas du tout fonctionné quoi. Quelle déception de Zerator Télévision. Ça n'a pas du tout marché hein, je voulais faire un truc de ouf mais j'avais plus de ward. J'étais sûr d'avoir une ward, je suis très déçu, extrêmement déçu de cette... ce combat qui vient d'avoir lieu. Bon, est-ce que le jungler en face va arriver? Moi je bait à l'infini. J'espère que c'est pas wardé là où je suis, putain si c'est wardé je suis tellement nul. Xin no F. No F. Tu veux pas go Léona là? Bon vas-y, ça doit être wardé, je me casse. C'était pas wardé, merde. Stay. Stay. Ne perdons pas une minute. Putain. Il m'entraîne. Oh, elle est pas sortie. Je pensais qu'elle sortirait à ce moment là pour aller sur la gauche. En fait, je me suis dit, elle va ward, elle va me voir. Du coup, elle va sortir du bush pour aller là. Du coup, j'ai balancé mon Q-spell là. Mais c'est, là, j'ai trop anticipé. C'était too much. Du coup, j'ai perdu énormément de temps. C'est pas grave, on s'en fiche, peu importe. On est là pour rigoler, on joue Lissine, on est là pour rigoler. Hop. 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 Hop là. Allez, go.
Un truc besoillon ? Pourquoi ? Ah ouais, mais c'est vrai que lui, il était trop fort. Avoir une bonne rivant, c'est pas mal, mais... Kalista 126 creep, là, putain, c'est beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit go top, je dis ok, et il met 3 petits points. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut du pâté ou quoi ? Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh non ! Non 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 ! Oh non ! Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Retourne à la base ! À la base, Zerator ! Vite ! Vite ! Ah mon dieu, je souffre ! Ils m'ont attaqué à la jambe ! Oups ! Lag ! Ah, j'aurais dû changer mes DNS. Ah, mon dieu. Et pendant ce temps-là, le chat de Twitch qui défile, c'est formidable. Il y a toujours des mecs qui écrivent des dos à ce moment-là, tu sais pas pourquoi. Et le chat qui défile, et j'ai toujours internet, et voilà. Et j'ai juste LOL qui a planté, c'est formidable. Oh, non, zut, pourquoi ? J'aurais dû changer mes DNS. Quel imbécile. Quel imbécile. J'aurais dû changer les DNS. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Ah, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que la game est gagnée. Et voilà. Bon. Je fais quoi ? Je vais pas tenter de redémarrer le jeu, si ? Je fais ça ? Allez, je fais ça. Quitter. On recommence. Il m'entraîne au bout de la nuit. T'as même fait planter LOL. Ah là, j'ai fait planter LOL, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de minuit. Ta-ta-da-da, ta-ta-da-da, ta-ta-da-da. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Alors j'ai Alt F4, j'ai relancé, mais en général ça ne suffit pas. Néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir. Titilu, je vais changer mes DNS, attendez. Ça va peut-être faire une petite coupure dans le live d'ailleurs. Donnez un peu de chaleur à mon cœur. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Nanana, les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Au pire, je désactive la synchro verticale. Au pire, je désactive la synchro verticale. Yeah, il me faut désactiver le pare-feu Windows. Ouais. Bon, bah allez, pourquoi il se reconnecte pas ? Connexion au serveur impossible, si vous avez un pare-feu, il bloque peut-être la connexion. Référez-vous à la documentation du pare-feu. Je vais aller lire la doc de mon pare-feu, attendez, c'est Riot qui m'a conseillé de faire ça, je vais y aller. Pare-feu... Oui, on voit. Oui, la documentation du pare-feu. Ouais, ouais, ok, je vois ça. Nickel. Ah, je comprends pas, pourtant je... On m'a dit... checker votre configuration, machin, lisez la doc. Lisez la doc. Ça me fait pas peur. Nanana, j'y crois encore et encore des sacrifices. Le veau, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours AFK à bouger. C'est cool parce qu'en fait, du coup, on va perdre la game à cause de ça. Ce qui est dommage, parce que Lee Sin, bon. Mais ça arrive, shit happens, faut le savoir. Shit happens. Et quand les shit happens, eh bien voilà, c'est pas grave. Fort heureusement, moi, je m'en fous, vous voyez. Ça pourrait être genre un mec qui est dans son BO pour passer genre master.
genre qui serait deg, qui serait en mode ah ouais, merde, vous êtes relou, vous voyez ce que je veux dire? Donc tant pis. Bref. Alors, fin de tâche, League of Legends. Non, mais fin de tâche, là, on t'aime plus. Elle, comme LOL. Fin de tâche. J'ai dit fin de tâche, saloperie. League of Legends. C'est bon, il n'y a plus rien. On va relancer League of Legends. Alors. Ça change rien de relancer LOL, j'imagine, mais... Mais testons quand même. Testons quand même. Et les gens sont là dans l'expectitude. Quoi ? Et au milieu, t'as un mec qui s'est connecté au chat et qui a mis « C'est délicieux les saucisses ». Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça cool que les gens aient une certaine forme de recul par rapport à ça et finalement soient en mode « C'est bien les saucisses », vous voyez ? Au pire, je vais éteindre mon micro-ondes. Et voilà. Écoute, Zera, chez moi, j'ai le même problème sur mon ordi. À chaque fois que je veux lancer une game, dans l'écran de chargement, rien ne se passe. Et le message que tu lis arrive. Depuis, je ne peux plus jouer à LOL. Si par chance, tu trouves une solution, dis-le-moi. Reboot. L'expectative. Ouais, je me suis trompé. C'est l'expectative. Merci, Mazakute. Je vais recommencer quand il me dit « recommence ». Bah écoutez, ça va être une petite lose. Free LP pour les adversaires. Ah bah là, clairement, ils ont raison. Free LP. Donc là, actuellement, voici... attendez. Est-ce qu'on voit le logo de LOL? Ah, on le voit même pas. Ça pue vraiment la merde, ça. C'est un peu nul. Parce que je voulais vous montrer le logo LOL au milieu de mon écran. Mais on ne peut pas. Je veux Saint-Patrick, les gars, alcool. Ah oui, ces fameuses personnes qui attendent un jour spécial pour boire. Ils leur font un prétexte. La partie a planté, ça me dit. La partie a planté. Peut-être que c'est mon serveur LOL qui a planté, peut-être. Je pense que... Parce que là, il n'y a pas écrit « Vous êtes reconnecté, machin ». Il y a écrit « La partie a planté ». Ce qui fait que... il est possible que ce soit le serveur sur lequel on jouait qui est planté. Parce qu'en général, quand il y a écrit « La partie a planté », c'est que t'es pas le seul à avoir planté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est déjà arrivé que les parties plantent et du coup, tout le monde a une... Pas une free lose, une free win, mais au contraire, un truc en mode c'est annulé. Regardez, je vous montre. Il y a écrit « La partie a planté ». Du coup, si la partie a planté, pas grave. La partie a planté, je voulais que je vous dise. Ferme les fenêtres. Ça a planté des légumes ? Ouais ? Tu viens peut-être de niquer le BO que t'es mate. Non mais je sais pas, hein. Je sais pas. La partie a planté. A planté. Reconnecte-toi. Ah mais non, mais ça je le fais depuis tout à l'heure. Ça c'est insupportable. Recotoie. Mais non, regardez, si je clique sur reconnexion, écran noir, on a le message annulation, et voilà. Tu vas revenir à l'accueil et c'est annulé, ça compte pas. Non mais oui, je sais. Ça m'est déjà arrivé, je connais. Bon bah tuto DNS plus... plus plantage de game... Avec le serveur de Riot qui a planté. Mais écoutez, c'est pas mal. Je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. A tout de suite. Ne bougez pas.